Donc, comme disait Frédéric, l'objet, c'était de vous faire un petit point sur ces journées techniques et sur ce qu'il avait pu en ressortir. Tout d'abord, au niveau du contexte, la gestion des adventices a toujours été une compétitrice majeure des cultures et depuis le début de l'agriculture, une problématique très importante. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres choses qui s'ajoutent. Présence d'herbicides dans les eaux, une pression sociétale qui devient de plus en plus importante pour réduire notre recours et notre besoin de pesticides. On a aussi des difficultés techniques qui se présentent puisqu'on a une augmentation des résistances, des changements de pratiques, donc ça peut devenir très compliqué dans certains secteurs. On a aussi une émergence et un développement d'adventices qui ont des enjeux de santé publique comme l'ambroisie, la datura, la nielle. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et puis des disparitions de molécules, des conditions de plus en plus sévères. Donc, toujours en gardant une nécessité de produire, puisqu'il y a quand même des exigences économiques et une réponse au marché. Donc, voilà un peu le contexte qui est un peu compliqué. Bon, l'impact du salissement, vous le connaissez, principalement sur l'impact que ça va avoir sur la chute des rendements et la dégradation de l'état sanitaire des cultures. Mais il y a aussi une autre composante qui va être si on laisse s'installer des adventices, le pouvoir grainier des adventices va entraîner une production de graines et donc des impacts à long terme. Si on ne gère pas au fur et à mesure les adventices et qu'on laisse exploser tout ça, forcément, la durabilité des systèmes d'exploitation devient très compliquée. Donc ça, c'était des choses assez classiques qu'on pouvait voir, les seuils de nuisibilité par plante, qui en fait sont juste à titre indicatif, puisque là, on voit sur de la densité du panique pied de coq sur le maïs sur 2 années, eh ben, on va avoir très peu d'incidence en 82, et puis en 83, vu que c'était une année sèche, beaucoup d'incidence. Donc tout ça, c'est vraiment seulement un classement, et puis la nuisibilité, elle n'est pas linéaire, elle est variable dans l'espace et dans le temps, donc à chaque année, on va avoir, si on a 10 pieds de régras une année, on ne va pas du tout avoir les mêmes impacts sur le rendement du blé d'une année sur l'autre. Donc la nuisibilité indirecte, ça c'est des choses que vous connaissez, hein, les potentiels de production de graines des différents adventices. Et puis, comme je vous disais, sécurité sanitaire avec la datura, avec des choses qu'on voit de plus en plus et qui posent vraiment un gros problème pour les collecteurs et pour la mise en marché après des céréales ou autres. Voilà. Augmentation des résistances. Bon, moi je travaille pas mal dans l'Oise, dans l'Eure. On l'a depuis longtemps avec des désherbages foliaires au printemps qui marchent de moins en moins. Et puis on n'a pas de nouvelles matières actives, donc ça peut devenir extrêmement compliqué. Du coup, on a une augmentation des coûts du désherbage qui est assez importante, 110% entre 97 et 2012. On arrive à des budgets au-dessus de 100 euros. Donc pour tout ça, la gestion des adventices est réellement une priorité, à la fois sur la viabilité des exploitations, pour sécuriser aussi l'état sanitaire de nos productions, et puis pour la durabilité des systèmes d'exploitation. Tout ça dans un contexte environnemental qui est de plus en plus fort, dans un contexte sociétal qui est de plus en plus fort, avec lequel il va falloir faire avec. Donc c'était un peu l'objet des 5e journées techniques nationales de l'ACS, puisque la PAD, depuis 5 ans, là, organise tous les ans des journées techniques avec des thématiques. Là, c'était le 31 mai à Vendôme. On avait organisé ça, donc c'est l'APAD qui a organisé avec la collaboration de l'INRA. Donc, on a essayé d'inviter des acteurs pour nous épauler un peu là-dessus. Et puis, l'objet, en fait, qu'on avait, c'était recenser les différents leviers possibles en agriculture de conservation pour optimiser les systèmes et réduire les recours à la chimie. Et donc, pour ça, on a pris une approche en se disant, ben, on va essayer de voir quels sont les leviers qui peuvent empêcher la levée des adventices. Quels sont ceux qui vont pouvoir concurrencer les adventices? Et puis après, quelles sont les méthodes de destruction? Sachant que là, on segmente tout, mais que l'approche, et on le sait pertinemment, pour avoir une gestion durable des adventices, c'est une approche systémique. Donc, c'est pas en prenant un seul de ces leviers qu'on va réussir une bonne gestion des mauvaises herbes, c'est vraiment en les mettant tous ensemble, avec une approche système et une approche forcément système qui va différer en fonction des conditions pédoclimatiques. On n'aura pas du tout la même approche systémique dans le nord de la France que dans le sud, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques, on n'a pas du tout le même climat. Et puis, évidemment, en fonction des conditions de l'exploitation et de l'itinéraire technique de chacun. Tout ça, on a essayé de le regarder aux lumières des piliers de l'agriculture de conservation des sols, qui va être rotation, allongement des rotations, couverture permanente du sol, et pour moi, à terme, absence totale de perturbation du sol. Je suis d'accord c'est Thierry sur lequel on peut se permettre un peu de travail pour avoir une transition. Moi, je pense qu'à terme, l'objectif, c'est d'arriver au minimum de perturbations.
Donc sur cette cinquième technique, on avait fait intervenir plusieurs intervenants. Il y avait donc Bruno Chevel de l'INRA de Dijon qui parlait un peu des communautés d'adventistes dans un contexte agroécologique. Jérôme Labreuge d'Arvalis qui était plutôt sur la gestion des flores et puis un peu ce qu'ils avaient en recherche sur la CS. Judith Rees de Agroscope en Suisse, là il y a une erreur, c'était beaucoup plus sur le côté allélopathique qu'on connaît encore peu et qu'est-ce qu'ils avaient mis en place là-bas sur la station de Changin. Stéphane Cordeau de l'INRA qui lui parlait plutôt de la nuisibilité et puis on y reviendra. Il y avait eu aussi Sylvain Tromenschlager sur le semis des céréales ultra précoces qu'il a pas mal essayé dans l'Est avec beaucoup d'agriculteurs. Michel Berduca qui est venu de l'IRSTEA qui lui nous amenait un peu plus l'idée qu'est-ce qui va venir en termes de technologie et qu'est-ce qui peut peut-être nous aider là-dessus au niveau des nouveautés. On avait moi qui avais fait plutôt un accent sur la destruction chimique et puis après Laura Vincent Cabou qui elle était en semi-direct sous couvert végétal sans utilisation d'herbicides en bio dans le Rhône-Alpes. L'objectif aussi de ces journées, c'était que ça soit interactif. Donc on avait au fur et à mesure de la journée posé des questions où on pouvait répondre par SMS. Donc voilà, là c'était les premiers résultats dans la foule. Pour vous, vous en êtes tous sur la mise en place de la CS. Donc on avait tout, des gens qui pensaient qu'ils étaient vraiment sur un système abouti, des transitions et puis vraiment en réflexion. Et puis ce qui était quand même intéressant de savoir, c'est dans l'auditoire, quelle était pour eux la flore la plus compliquée à gérer aujourd'hui. Et on voit bien que la plus problématique, c'était les graminées annuelles et ensuite les vivaces. Et je pense que ça rejoint même en conventionnel, les graminées annuelles aujourd'hui restent, en tout cas dans le secteur nord, la problématique majeure à contrôler dans les céréales. Donc au niveau de la gestion du salissement, je repars un peu sur ce qu'on avait dit. L'objectif, c'était peut-être aussi de commencer à comprendre pourquoi les adventices s'installent. Pourquoi elles s'extériorisent? Pourquoi elles germent dans certaines conditions et pas dans d'autres? Puis après, quels moyens on peut mettre en place? Donc limiter la dissémination, limiter la germination, c'est empêcher la levée, concurrencer pour en limiter le développement, quels sont les moyens curatifs, et puis la mise en œuvre sur une approche systémique. Sur connaître la biologie des adventices, il n'y a pas énormément de choses, il y a quand même Gérard Dusserf qui a beaucoup travaillé là-dessus, avec des choses qui sont intéressantes, sur lesquelles je vous renvoie à ses travaux. Mais l'objectif va être plutôt, on a en place des adventices, pourquoi sont-elles là et est-ce qu'on peut corriger les déséquilibres qui font qu'elles sont là? Et donc pour ça, voilà, il y a quelques... dans son approche, les adventices sont là pour corriger un déséquilibre. Elles se plaisent parce que dans certaines conditions, notamment par exemple à CTR, le chien dent à cause d'un manque de calcium, les vulpins, décalcification et puis anaérobiose. Donc comment on peut essayer de travailler sur du long terme pour essayer de limiter les conditions favorables pour ces adventices? Autre chose, c'est, bon ça vous le connaissez bien, l'époque préférentielle d'élever. En fonction des adventices qu'il y a dans votre parcelle, comment mettre en place une stratégie en fonction des époques préférentielles? Par exemple, un géranium qui va plutôt lever en septembre, semis de colza sans perturbation du sol, si j'arrive très très tôt en août, je bloque la lumière, on aura beaucoup moins de problématiques de géranium puisqu'on arrive avant les époques préférentielles de levée. C'est la même chose pour le vulpin et pour le régras, mais on s'aperçoit que si on met en place des stratégies à long terme, on sélectionne aussi des espèces, quelques individus qui vont pouvoir germer à d'autres époques, et notamment dans des essais dans la Champagne créseuse, ils ont enchaîné des cultures de printemps pour essayer de venir à bout des vulpins, et ils sont venus au bout d'un moment à sélectionner des vulpins qui levaient au printemps. Donc il faut sans cesse, constamment, adapter ces systèmes et perturber les époques préférentielles de levée. Pareil sur les vivaces, comprendre à quelle époque il y a la mise en réserve, et du coup à quelle époque on est le mieux d'aller les détruire pour bloquer cette mise en réserve et gérer à long terme l'apparition des vivaces, c'est quelque chose d'essentiel pour aller gérer ça. Au niveau de limiter la dissémination, ça se passe, il y en a certainement d'autres, mais à la récolte et puis aussi sur les épandages de fumier qui peuvent être faits. On a essayé de regarder un peu, je vous en parlerai après, quel est l'impact d'exporter la menue paille. Il y a des pays dans lesquels c'est beaucoup plus développé, je crois qu'en Australie ça se fait beaucoup. Donc ça, limiter la dissémination, essayer de limiter au maximum le stock, qu'est-ce que ça peut donner, on y reviendra. Pareil sur l'hygiénisation des composts et des engrais organiques, on peut aussi avoir, quand on apporte des composts extérieurs ou sur la ferme, des présences de semences d'adventices. Les manières de faire son compost pour détruire l'aptitude à germer de l'adventice est essentielle pour pas aller redisséminer
redisséminer des adventistes. Au niveau des méthodes prophylactiques, donc empêcher la levée, on avait sélectionné plusieurs choses, l'opposition des semences, l'allélopathie, la date de semis, le couvert, et puis la fertilisation. Sur le fait d'empêcher la levée, là c'est sur dans le cas d'un semis, d'un champ en semis direct, vous allez avoir la présence d'un couvert végétal, des semences d'adventices ou de la culture en place qui se retrouvent sur le sol, et puis des semences qui sont liées qui sont dans le sol à des profondeurs différentes. L'avantage de laisser ces semences sur le sol, c'est qu'elles vont être complètement impactées par les rayonnements lumineux, les différences d'hygrométrie, ce qui va créer une diminution de leur taux de germination. Plus le fait de les laisser en surface, vous allez avoir tout ce qui est prédateur aussi qui va en prélever, donc on diminue considérablement le stock en laissant la graine en surface. Et ça, c'est des choses qu'on a moins l'habitude, puisqu'en agriculture conventionnelle, on disait à partir du moment où vous avez une production de semences, on va l'enfouir pour faire perdre la faculté de germination de ces graines. Et en fait, on se rend compte que la zone de conservation minimale des semences, ça va être sur le sol. Si vous les enfouissez à 10 ou 15 cm, eh ben on va être dans une zone de conservation transitoire où il va y avoir quand même un peu d'échange d'oxygène, donc des taux de décroissance de germination qui peuvent se créer. Et puis plus vous l'enfoncez profond, moins il y a d'échange, moins il y a de montée en température, moins il y a d'échange d'oxygène, et plus vous allez conserver comme au frigo vos semences. À l'inverse, quand vous travaillez votre sol, vous allez enfouir les graines de l'année N qui ont grainé, qui pour la plupart d'ailleurs ont besoin de dormance pour aller germer derrière, et puis vous allez relever le stock semencier des années précédentes, les remettre en condition de germer. Donc en plus vous allez créer un peu de minéralisation, libération d'azote, vous allez entraîner une levée forcément des semences, plus tous les impacts qu'il peut y avoir, érosion, dégradation du sol, pollution avec l'érosion et les écoulements de surface, et puis un impact sur la vie du sol qui peut être forte. Donc l'objectif, quand vous avez des productions de grainières sur le dessus, peut être de, au contraire, je ne touche pas au sol, je ne renfouis pas cette semence, je préfère soit la laisser sur le sol et couvrir au maximum pour pas qu'elle germe, ou alors la laisser au niveau des éléments, laisser les éléments climatiques faire que les graines vont pourrir et elles perdront leur aptitude à germer. Au niveau des époques de germination préférentielle, j'en ai déjà parlé, mais l'objectif c'est d'aller adapter les dates de semis et utiliser la rotation pour casser les cycles. L'allélopathie, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, qui est travaillé depuis longtemps. C'est comment ça se définit? C'est tout effet direct ou indirect, positif ou négatif d'une plante sur une autre à travers la production de composés chimiques libérés dans l'environnement. Donc on en connaît quelques-unes, par exemple l'avoine et le seigle qui eux vont libérer certains composés, des brassicacées comme la moutarde et le radis, le sorgho, la luzerne, l'avoine, le sarrasin, il y en a peut-être d'autres. Tout l'objectif serait d'utiliser ces propriétés dans un couvert ou en associant les cultures pour limiter la levée d'adventices qui nous embêtent. Et ça, c'était ce qu'est venu nous présenter Judith Rees sur la station de Changin. Eux, ils ont essayé des petites micro-parcelles avec répétition pour pouvoir voir comment supprimer la germination de l'amarante et la flore adventice. Et donc, ils ont essayé différents couverts. La première chose qu'ils ont essayé de regarder, c'est est-ce que c'est de l'allélopathie qui supprime ou est-ce que déjà, ne serait-ce que d'avoir une couverture, on arrive à supprimer l'effet germinatif des semences. Et ça rejoint un peu tout ce qui se trouve dans la bibliographie, c'est qu'au-dessus de 3 tonnes de biomasse de couvert, on limite, donc ça c'est la biomasse de l'amarante, si on arrive à avoir des couverts assez drus qui font de la biomasse, on limite la levée de l'amarante. Donc effectivement, la biomasse des couverts a bien un effet sur la gestion des adventices. Autre chose, ils se sont demandé, est-ce que c'est l'ombrage qui est créé par le couvert qui va limiter la levée de l'amarante, ou est-ce que c'est autre chose? Et donc pour ça, ils ont mis des filets avec des filtres de lumière pour voir ben, plus on met d'ombrage, est-ce qu'on a une efficacité sur le contrôle de l'amarante.
En fait, ils se sont rencontrés qu'il y avait très peu d'effet de l'ombrage sur la marante. Si on met un ombrage fort ou léger, on a très peu de différence. Donc le facteur ombrage n'est pas un facteur important sur la croissance de la marante. Du coup, ce qu'ils ont essayé de faire pour travailler sur l'allélopathie, ils ont fait deux choses. Un, une plante de sarrasin avec la marante en contact avec les racines directement, et puis une membrane qui laisse passer des composés, mais sur lequel la racine ne vient pas en concurrence avec la marante. Et là, ce qu'ils ont bien mis en lumière, c'est que le sarrasin était bien capable d'aller sécréter des produits chimiques pour aller limiter le développement, ou voire même inhiber la germination de la marante. Bon, voilà un peu ce qu'il en était. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'il y a encore à travailler, on n'a pas beaucoup de références, mais de se dire, je sais que j'ai tel problème d'adventice dans ma parcelle, il va falloir que j'utilise telle variété, telle espèce de couvert pour aller casser la germination, ça peut être des facteurs extrêmement intéressants. Je sais que par exemple sur la marante, il va falloir que j'utilise le sarrasin, sur le régras, une autre plante, il y a encore beaucoup de boulot à faire, c'est encore à l'étape de recherche, mais c'est des voies qui peuvent être vraiment intéressantes. L'autre chose, c'est le blocage des radiations par un couvert. Ça a été démontré plusieurs fois. Plus on a une couverture, plus on bloque les radiations lumineuses, et donc on inhibe la levée des adventices. Et on le voit très clairement dans les champs, quand on a des couverts qui couvrent très vite, très tôt, en dessous c'est propre. À partir du moment où il y a des zones où c'est moins couvert, tout de suite il y a une levée d'adventices. Donc, pour empêcher la levée, en synthèse du travail, c'était limiter les pollutions, ça c'est la première méthode prophylactique, ne pas travailler le sol, ne pas perturber le sol et ne pas renfouir les graines, adapter les dates de semis par rapport à la flore, utiliser les rotations pour casser les cycles, couvrir plus tôt, plus vite, plus dense, tout le temps, ça à mon avis, c'est la clé en agriculture de conservation des sols, utiliser en couvert des espèces allélopathiques, et là on a encore un petit bout de boulot à faire, et compenser le manque de minéralisation qu'on peut avoir par le non-travail du sol, par de la fertilisation localisée qui va permettre au couvert de se développer le plus vite possible. Le sondage là qu'on avait fait sur les journées techniques, qui montrait utiliser seul ou en combinaison, laquelle de ces techniques vous semble la plus appropriée, ben on voit bien que, en tout cas pour les agriculteurs, aujourd'hui la clé de réussite pour gérer le salissement, c'est une couverture dense, homogène, rapide. L'allélopathie, vu qu'elle est encore peu connue, reste encore marginale. Comment concurrencer les adventices si on n'a pas réussi à faire à inhiber la germination, à empêcher la levée? Eh bien, il y a des techniques aussi pour aller concurrencer ça. Il y en a une qui est connue depuis quelque temps, mais au niveau de la sélection des variétés, et notamment des variétés de blé, on sait qu'il y a des variétés de blé qui vont avoir un port beaucoup plus érectophile, et surtout toutes les dernières variétés de blé ont souvent été sélectionnées comme ça, avec des panneaux solaires pour aller faire un maximum de photosynthèse. Mais la contrepartie de ça, c'est que vous allez avoir des blés qui vont beaucoup moins couvrir le sol, beaucoup plus de rayonnement sur le sol, et donc beaucoup plus de levée derrière. Comparé par exemple un Cap Horn comparé à un Apache, qui sont des vieilles variétés, vous voyez que sur une infestation de vulpin, on arrive déjà à diminuer de 15 à 20%. Et là, vous avez un Triticale à côté, qui va être une autre espèce forcément, encore beaucoup plus couvrante. Là, on arrive quasiment à réduire de plus de 50% ça. Donc tout l'objectif sera de travailler avec les semenciers et le GNIS pour essayer d'avoir, quand vous choisissez des variétés, d'essayer de sélectionner aussi les variétés qui sont les plus couvrantes, qui concurrencent le plus possible pour aller limiter le développement des adventices. Bon, après, il y a un travail sur l'espèce en fonction de ce qu'on a. Forcément, on sait que le Triticale, l'avoine d'hiver ou des choses comme ça vont être beaucoup plus concurrentielles. Un autre travail aussi important qui commence à être fait, c'est quel couvert sélectionner, quel est celui qui va s'implanter le plus rapidement. Et ça, je pense que c'est essentiel de retravailler un peu là-dessus. Là, c'est des courbes de dynamique en fonction du nombre de degrés jour, le pourcentage de couverture qu'il va y avoir au sol en fonction de, donc il y a de l'avoine, de la lentille. Là, vous avez de la veste velue qui, dans cet essai-là, c'est un essai en Suisse, va être la plus rapide à s'installer. Donc, qu'est-ce que je mets dans mon couvert, en fait, pour être sûr d'arriver au maximum de couverture et donc limiter l'élevé?
Bon, voilà, ça, c'est des références qui ont été faites en fonction de quel couvert utiliser par rapport et quel est le pourcentage de réduction de biomasse des adventices. Je pourrais vous les redonner si vous voulez. Encore une fois, produire pour concurrencer. Donc, on revient, ça vient d'un autre rapport scientifique, mais vous vous souvenez de ces 3 tonnes de biomasse sèche par hectare du couvert. Vous voyez la relation entre la quantité de mauvaises herbes, le poids de mauvaises herbes et le poids du couvert. Il y a vraiment une relation qui est linéaire. L'objectif, vraiment, il est sur l'implantation des couverts. Ça, c'est encore une autre étude qui avait été présentée par Stéphane Cordeau. Aux États-Unis, ils ont fait donc sur différents secteurs des États-Unis. Ils ont essayé de faire des petits abacs en fonction de la date de semis. La quantité de semences et du coup regarder quelle était la biomasse des couverts pour savoir si j'ai pas pu semer mes couverts à telle époque, jusqu'à quelle densité de couverts il faut que je mette pour compenser le fait que j'ai semé tard mes couverts et qu'est-ce que je peux espérer. Et donc on voit forcément en fonction des années qu'on va pas du tout avoir les mêmes impacts en fonction des secteurs, mais ça pourrait être des choses vraiment intéressantes à essayer de regarder sur plusieurs années pour se donner des clés de décision. Je sais que là, j'ai pas pu aller mettre mon couvert avant le 8 août, je suis au 15 août, je sais qu'il va falloir que pour espérer avoir une bonne répartition, une bonne concurrence, il va falloir que j'augmente de 20, 30 ou 40% la densité. Et en fonction. Alors forcément, il y a des choses qu'on maîtrise pas, on a besoin de références, mais il y a des facteurs qui sont non maîtrisables. La pluviométrie, je pense qu'on est bien concerné cette année. On voit très bien que même en ayant investi sur des couverts, ça n'a pas levé forcément, et puis les températures. Autre chose, est-ce qu'il faut maximiser la biodiversité des couverts? C'est vraiment en fonction de l'objectif recherché. Si on regarde les essais, par exemple, sur l'allélopathie, d'aller mettre un couvert 100% sarrasin pour avoir le maximum d'allélopathie, ça peut avoir un intérêt pour aller contrôler les adventices. Par contre, pour moi, dans l'agriculture de conservation, et Thierry l'a montré, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont montré, il faut ramener un maximum de biodiversité, puisqu'on a aussi l'effet sur la structure du sol, l'effet sur la nourriture des micro-organismes, etc. Donc, encore un petit sondage. Selon vous, quelle est la caractéristique la plus importante d'un bon couvert végétal, mais qui limite la levée des indésirables, qui enrichissent le sol? Donc on voit bien, ça c'est les deux choses qui ressortent, puisqu'ils s'installent facilement. On voit bien qu'on cherche des couverts qui s'installent le plus rapidement possible, mais aussi qui ont un effet sur le sol et sur le fonctionnement du sol. Ce qui était assez intéressant sur l'approche de Stéphane Cordeau, c'est qu'ils ont remis la question de relation de compétition en agriculture de conservation des sols. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on sait que si on a une densité d'adventices, si on a 100 régras au mètre carré, l'impact sur le rendement va être à peu près ça. Si par contre, et ça c'est leur approche, et plus cette densité d'adventices va diminuer, moins on aura de perte de rendement. Ça, c'est vraiment l'approche classique. Eux, ils ont essayé d'avoir une autre approche, c'est-à-dire, vu que les mauvaises herbes ont une compétition sur les ressources, plus on amène de ressources, plus on diversifie le pôle de ressources, moins on aura d'impact à densité d'adventices égale. C'est-à-dire que sur un sol, si vous avez 100 régras au mètre carré, vous n'aurez pas les mêmes impacts sur le rendement de votre culture en fonction du pool de diversité de votre sol. Et pour eux, un pool de diversité, ça se représente par quoi? Par la diversité végétale qu'on va mettre dans les couverts, dans la rotation, par la diversité microbienne et des champignons, et ça on le retrouve, et par la diversité du type de ressources, notamment en nutriments. Et donc peut-être que grâce à ça, et ça on le repère déjà, à même densité, on va pas du tout avoir les mêmes impacts sur le rendement final. Par contre, c'est sûr que si les adventices sont là, elles graineront quand même, et donc on a des impacts sur de long terme. Concurrencer les adjonctifs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour augmenter la vitesse de couverture? Donc il y a augmenter les densités de semis, mais on voit bien qu'il y a des points de vigilance à avoir. Réduire l'interrang pour avoir une couverture le plus rapide possible, un semis à 20 cm d'écartement par rapport à quelque chose à 10 cm d'écartement, on n'aura pas du tout
la même rapidité de couverture, et donc on laissera beaucoup plus de lumière taper sur le rang. Par contre, forcément, dès qu'on réduit l'interrang, on augmente la chance de perturber le sol et donc de recréer une nouvelle levée. Donc c'est des compromis à rechercher. Occuper l'interrang, mais ça peut être d'implanter des cultures associées, et ça on le voit bien par exemple sur le colza associé qui commence à bien prendre. Et puis fertiliser sur le rang, essayer de donner aussi à la culture le plus de vigueur départ pour aller concurrencer au maximum, ce sont des techniques intéressantes pour aller limiter tout ça. Une autre technique dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, c'est Sylvain Stromenschlager qui nous avait présenté ça. Eux, ils ont des gros problématiques de vulpins. Ils se sont dit, on va essayer d'avancer au maximum la date de semis d'un blé ou d'un escourgeon pour avoir un blé qui couvre le plus rapidement possible à l'automne et qui soit capable d'aller étouffer l'élevé de raies gras ou de vulpins. Donc, à des densités de semis, ils ont essayé plusieurs densités de semis. Ils s'en sont arrivés au fait que ben, même en semant très tôt, il fallait maintenir des densités de semis importantes pour aller couvrir le plus possible. Par contre, les inconvénients, la virose avec en plus l'arrêt du gaucho, a priori, ils n'ont pas trop d'effet virose. Pourquoi? Ça restera à démontrer. Apporter de l'azote avant hiver, c'est indispensable, il faut nourrir la culture et aujourd'hui c'est interdit. Mettre en place de la micronutrition, ils ont montré que si on n'apportait pas de cuivre, de manganèse ou de choses comme ça, on avait des effets très très forts sur des baisses de rendement, puisqu'on a des céréales qui sont surdéveloppées entrée hiver, en conditions humides et froides, il y a moins de restitution d'éléments et donc elles développent des carences, ce qui pénalise très fortement le rendement. Et puis, ils se rendent compte qu'ils ont un gros problème de mosaïque qui s'installe très facilement l'hiver. Donc, c'est des choses à tester. Et voilà un peu ce que ça donne. Ils avaient fait des semis d'escourgeons. Le vulpin a réussi à lever en dessous, mais il a tellement été étouffé par l'escourgeon qu'il n'a pas réussi à épier. Bon, voilà. Pensez-vous que ça peut être un levier? Là, dans la salle, c'était un peu mitigé encore, mais c'est à tester. Concurrencer les adventices, on vient toujours à la même chose, bloquer la lumière. Donc, implanter un couvert qui permette d'aller bloquer la lumière, ça peut être très intéressant en ayant un paillage pour aller semer une culture de printemps. Ça, c'est des techniques qui sont pas mal développées dans des itinéraires bio aux États-Unis et que nous a présenté cette dame de l'ISARA. On fait un couvert très fort c'est du seigle, qu'on va arriver à aller écraser par un rouleau faca à floraison. Donc on n'a pas besoin de glyphosate. Une graminée, à partir du moment où elle est à floraison, on arrive à la détruire par le roulage. Et donc on va avoir un couvert extrêmement dense qui va bloquer les radiations lumineuses et empêcher la levée. Eux, pour eux, l'objectif à atteindre pour avoir un vrai mulch qui tienne le coup, c'est pas 3 tonnes de biomasse, c'est plutôt 8 à 9 tonnes de biomasse. Sèche. Pas important. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en couvert devant des cultures de printemps? Il y a pas mal de choses qui peuvent être étudiées et qui demandent d'être encore testées en fonction des différentes régions. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est sur l'association d'espèces, optimiser la couverture végétale en faisant des plantes associées ou des couvertures permanentes. Donc, plantes associées, c'est connu sur le colza et on voit très bien l'effet. Mais ça peut être aussi l'implantation d'un couvert permanent, d'une luzerne, d'un lotier, d'un trèfle avec le colza pour aller semer dans une luzerne. Et ça, on voit très bien que quand on sème un blé dans une luzerne, le fait que la luzerne explose derrière le battage du colza ou après le battage du blé, on arrive à avoir une très forte compétition à la lumière, à l'eau, très peu de levée de raies gras, et puis après on arrive à contrôler la luzerne dans le blé, et le fait qu'il y ait toujours une culture sous la culture de blé, et par exemple ce qui s'est passé cette année, il y a eu beaucoup de radiations lumineuses au printemps, avec des relevés de raies gras ou de vulpins au mois d'avril ou de mai. Je vous assure que dans ces techniques-là, vu qu'il y avait la présence en dessous de luzerne ou de trèfle, on a eu beaucoup moins de relevés de raies gras ou de luzerne. Après, il faut vraiment arriver à le gérer. Et puis, en conditions sèches ou en fonction des conditions pédoclimatiques, il va falloir sélectionner un couvert permanent qui ne soit pas en culture, en concurrence avec la culture en place. Bon, ça je passe.
Culture associée, donc là c'est vraiment des doubles cultures ou triples cultures, c'est encore des choses qui sont à l'essai, ça c'est de Wenz en Allemagne, c'est ça Frédéric ? Sur lequel ben, on va essayer de multiplier les strates, toujours pour maximiser l'occupation des sols et le prélèvement des ressources. Il y a aussi Colin Rosengren qui est au Canada qui fait ça, donc ce qui permet d'avoir différents étages et de tout récolter en même temps. Mais bon, voilà, la limite c'est quand même de pour pouvoir récolter tout en même temps, d'avoir des trieurs. Enfin, ça demande un investissement matériel qui est assez important. Donc, pour synthétiser, comment concurrencer les adventices ? Tout se passe au niveau de la couverture, couvert plus vite, plus tôt, plus dense, tout le temps. Je crois que c'est vraiment la clé qu'on a pour la concurrence. Quelle est la priorité numéro un selon vous pour concurrencer les adventices? Voilà un peu ce qu'il en est ressorti, c'est assez mitigé. Je pense que de toute façon, et je vous l'ai répété au début, l'approche qu'il faut avoir, c'est vraiment une approche système. Enchaîner le maximum de leviers pour concurrencer ou limiter la levée. Au niveau des moyens curatifs, ben les moyens mécaniques, bon voilà, il y a pas mal de choses qui sont connues. Le rouleau vaca qui va très bien marcher sur les dicotes, mais sur les graminées uniquement à la floraison, et c'est ce qui nous pose problème, notamment avec le retrait potentiel du glypho. Gérer les dicotes, on va y arriver. Les graminées, quand on a des petites graminées qui sont à talage ou qui sont pas encore à floraison, avant d'implanter un blé, ça de toute façon, le rouleau vaca marchera pas. Le broyeur va avoir un intérêt pour la gestion des vivaces et des dicotes annuelles sur des couverts permanents. Tout ce qui est travail de sol, bineuse, herse, ou, ben, ça va un peu à l'encontre quand même de la pratique de l'ACS. Et puis on a un problème, toute la problématique des résidus de paille et du couvert. Le scalper, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, et puis les cimeuses, mais bon, on voit bien que pour limiter la dissémination, ça peut marcher, mais on a des débits extrêmement faibles et puis des impacts limités. La lutte thermique qui se développe un peu en agriculture bio, on voit bien que le débit de chantier est extrêmement faible, un coût économique qui est très important et un coût environnemental délirant, donc je suis pas sûr que ça soit l'avenir. Le désherbage électrique qui est utilisé un peu au Brésil, bon, c'est à suivre, mais l'utilisation, l'impact sur la vie du sol, le coût de la mise en place, etc. reste quand même un grand point d'interrogation. La robotique, ça se développe beaucoup. À quel coût? Au niveau de l'agriculture de conservation, on a toujours un couvert, c'est vraiment l'objectif. Comment on va arriver au niveau du traitement d'image, etc., à faire de la robotique là-dessus, c'est aussi une grande question. Et pour l'instant, j'ai beau interroger, il y a peu de réponses adaptées. Au niveau de la lutte chimique, eh bien, on avait le glyphosate qui nous permettait pour aller gérer les couverts quand on en avait besoin, mais l'interdiction à voir. Les défanants, les dessicants, ben, on a le réglone, mais qui n'est pas homologué sur les couverts. Et puis, qui a un gros frein, c'est que pour que ça marche, il faut que 100% de la surface foliaire soit touchée. Et le problème des graminées, c'est que le bouton de germination, quand il est pas, quand on n'est pas à montazon, est plutôt sous le sol. Et donc, pour aller gérer des graminées juste avec de l'acide pélargonique, c'est extrêmement compliqué, ou avec du réglone. Le désherbage avant mise en culture, mais il nous reste quelques molécules. Osmobio parle d'un glyphosate naturel. On n'a pas trop d'indications, déjà il n'y a pas d'homologation sur son efficacité. Puis c'est pareil, quels peuvent être les impacts environnementaux de ces produits? Pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. Donc à ce jour, on n'a pas d'alternative chimique, en tout cas aujourd'hui au glypho, mais on a des moyens de réduction importants. Et puis on a vu qu'on avait des leviers qui pouvaient nous permettre de réduire ou peut-être d'arriver à terme à s'en passer, mais pour l'instant, c'est loin d'être gagné. Au niveau des herbicides, bon, je vais passer assez vite, mais on voit qu'on a des grosses problématiques de résistance sur tout ce qui est anti-graminé foliaire. Pas trop de nouvelles matières actives dans les tuyaux. Il nous reste des herbicides racinaires, mais ça, on a des grosses différences entre de l'agriculture de conservation où on va pas travailler le sol et du labour. Ou du TCS, puisque quand on va travailler notre sol, on va enfouir les résidus, on va faire des remontées d'humidité, on va modifier le milieu des semences, donc créer une levée de dormance, et donc on va plutôt essayer d'intervenir avant germination au positionnement le plus proche du semis. À l'inverse, en semis direct, on va avoir une couche de
une couche de couvert, on va avoir des graines qui ne sont pas perturbées, donc ce qui va créer la germination de ces graines-là, ça va être soit la lumière, soit l'eau. Et donc pour positionner les racinaires, il va falloir absolument aller positionner ça devant une pluie, ou sous une pluie, ou alors avec une grosse rosée, pour réussir à faire passer ce paillis de paille, et puis essayer de sélectionner des racinaires qui soient peu sensibles à la matière organique. On a quand même quelques pistes de réduction assez intéressantes sur du désherbage en localisé, que ça soit sur le rang, quand on va travailler par exemple des maïs ou des betteraves juste sur le rang, ou alors de la détection d'adventices et d'aller pulvériser juste sur les adventices. Ça, il commence à y avoir des applications par drone qui sont capables d'aller repérer des adventices à 2-3 cm de précision. Par contre, ce qui ne suit pas, c'est les pulvérisateurs qui peuvent aller pulvériser sur chaque buse et les mettre juste le produit là où il faut. Donc, les moyens curatifs des herbicides, de toute façon, on voit bien qu'il faut mettre tout ensemble avec la rotation pour arriver à limiter au maximum les destructions chimiques. Bien raisonner le choix de ces matières actives, le positionnement et diversifier au maximum les cultures pour pouvoir avoir le plus grand panel de solutions. Du coup, à la suite de ces journées techniques, ce qu'on a essayé de faire, c'est on s'est dit il faut qu'on fasse une mise en pratique. Donc on a fait une plateforme de démonstration qui est dans l'Oise à Mouchy-le-Châtel, sur laquelle on a essayé de semer, de prendre tout ça bout par bout, et puis voilà, l'objectif c'était d'évaluer le potentiel des différentes pistes. On n'est pas un institut technique, on n'était pas capable de faire de la micro-parcelle avec répétition, d'identifier les pistes les plus prometteuses pour pouvoir réduire complètement l'utilisation des herbages, voire supprimer certains, et puis créer une dynamique de territoire autour de ces questions via le collectif d'agriculteurs, la PAD Picardie, faire visiter aussi ces plateformes et réfléchir avec les acteurs politiques et les acteurs de la profession sur qu'est-ce qui présente le plus d'intérêt, de quoi on a besoin pour aller plus loin. Donc ça, du coup, c'est à Mouchy-le-Châtel, c'est là où on fera, donc on est en partenariat avec l'INRA, c'est là où on fera les journées techniques de l'année prochaine, et donc ça sera intéressant de voir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est une plateforme avec 7 blocs sur lesquels on a essayé la récupération de menus paille, on a essayé de jouer sur la densité d'un mélange de couverts, on a essayé un blé ultra précoce, on a essayé des bandes de couverts à des densités différentes pour voir si on voyait un effet allélopathique ou pas. Et puis on a essayé des bandes transversales sans glypho. On a mis un bloc scalpage qui pour moi va un peu à l'encontre de la technique du semis direct, mais pour voir quelle est l'efficacité sur la mise en place d'une culture seconde, sur la gestion des graminées, et quel est l'impact aussi à long terme, le fait d'avoir remué le sol par un scalpage, parce qu'on va forcément le remuer, est-ce qu'on a des relevés derrière au printemps? Donc voilà, les journées techniques, ça sera le 22 et le 23 mai, je vous disais, dans l'Oise, à Mouchy-le-Châtel, et tout l'objectif, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas du tout à avoir des conclusions et pouvoir avoir des conclusions intéressantes par cette parcelle uniquement, l'objectif, pour avoir vraiment une représentativité, c'est d'avoir une phase 2 où on se déploie le même type d'essai sur tout le territoire, parce qu'on n'aura pas du tout les mêmes conditions dans l'Oise que dans le sud de la France, d'avoir une approche donc systémique. Qu'est-ce qu'on met en place comme rotation de culture? Elle est essentielle comme rotation de couvert pour essayer d'aller gérer ça, puisqu'à partir du moment où on se limitera à juste tester l'effet d'une moutarde sur la levée du régras, on n'y arrivera pas, on ira dans le mur. Mobiliser des partenaires techniques. La PAD a un réseau d'agriculteurs qui peut mettre des parcelles à disposition, mais on a besoin d'appui technique et de mobiliser différents partenaires, que ce soit le GNIS, que ce soit d'autres de la profession agricole pour nous aider. Mobiliser des sponsors, parce que tout ça, forcément, ça coûte de l'argent et il faut se donner les moyens si on veut sortir, réduire de manière importante l'utilisation d'herbicides, voire se passer de certains. Et mutualiser et partager pour diffuser la technique. Donc voilà, en conclusion, la gestion des adventices, elle est impérative, elle nécessite une approche globale, systémique, et pour faire bosser nos systèmes, c'est expérimenter,
chacun mutualisé, et c'est pour ça que les associations comme EIA, c'est ça ? Esaïe, pardon, ou l'APAD, ou des groupes d'agriculteurs sont extrêmement importants. Et puis, je finirai par chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Je pense que voilà, on est un peu au pied du mur, notamment avec le GLIFO. Donc, il faut absolument qu'on mette tout en œuvre pour essayer de répondre à cette demande. Je vous remercie.